Wow! Regardez comme le gâteau est gros et beau! Ouais, c'est vraiment un chef d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe en bas? Oh, n'importe quoi. Non, mais des fleurs doivent être dans la terre et il faut mettre de la confiture. Non, non, arrêtez, s'il vous plaît. C'est mon gâteau. C'est mon gâteau signature. Ça sera encore plus cool avec des chocolats. C'est cool, n'est-ce pas? Waouh! Quel grand gâteau! Oui, j'aimerais tellement le manger. Et pourquoi tu le manges pas? Oui, j'ai faim. Alors c'est l'heure pour le challenge culinaire. Alors, je veux un gâteau avec mes Skittles préférés. Bien sûr. Oui, je vais mettre beaucoup de bonbons. Je vais en mettre beaucoup. Comme ça, il sera exactement comme il faut ce gâteau. Pour éviter que les bonbons me tombent, je vais faire autre chose. Pour cela, il faut que je prépare la pâte. Voilà, je prends la farine, le lait, des œufs. Et je mélange tout très bien. C'est presque prêt. Maintenant, le gâteau obtenu, je l'étale bien avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, je le coupe. Et maintenant, je vais recouvrir les bonbons. Et ensuite, le gâteau ira au four. Comme c'est bien! Tant que le gâteau se prépare, moi, je peux me reposer. Non, mais qui doit en cuisiner? C'est irresponsable. Non, mais regardez mon gâteau. Il est si brillant. Je veux que mon gâteau soit coloré et brillant. Pour cela, j'ai besoin d'un sèche-cheveux pour faire fondre la peinture des Skittles. Ça, c'est cool. C'est vraiment super. Bellissimo! Je vais juste en mettre des bonbons et ça va être prêt. Wow! Je pense que le gâteau est prêt. Il est temps de le sortir du four. Je suis sûre que Betty va adorer son miracle. Et alors, vous aimez bien mon gâteau? Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Oh oui! Oh. Non mais pourquoi je suis assise là? Je dois cuisiner aussi. Alors, il est urgent que je décore le gâteau avec des bonbons. Pour cela, je recours à une spécialité des Skittles. Voilà, les patrons sont là. Oh, non mais j'arrive pas, vraiment. J'ai besoin des bonbons sur le gâteau et pas dans toute la pièce. Tadam. C'est fait. Betty, il est temps de choisir pour toi la gagnante. Bon appétit. Ils sont super bons. Par contre, le gâteau des mains est pas super. Il doit être bon. Mais non, c'est juste un gâteau normal. Et qu'est-ce que j'ai au milieu? Waouh! Oh oui! Ça, c'est autre chose, ça. J'adore ce gâteau, mamie. Il ne reste pas le cas à goûter le gâteau de Zach. Il a l'air super. Oh oui! Et le goût est vraiment super aussi. J'aime beaucoup. Je vais manger chaque bonbon. Zach, t'as gagné. Ouais! Je savais. Cette fois-ci, je veux du gâteau à la pastèque. Wow, c'est un défi très intéressant pour mes talents cuisinés. Et j'espère pouvoir trouver un moyen de faire un gâteau à la pastèque avec une pastèque entière. Voilà. Pour cela, je vais me débarrasser de tout ça. Pour le gâteau, je n'aurai besoin que de la pulpe. Voilà. J'ai des outils spéciaux pour cela. Et en plus, je vais faire la forme spéciale. C'est fait. Et maintenant, je coupe la pastèque en morceaux. Oh,
Et moi, je ne vais pas faire comme ça. C'est plus facile avec la pastèque. Je le coupe en deux. Et maintenant... oui, je fais ça avec la pulpe. Et ensuite, j'ajoute un peu de gélatine à l'intérieur d'une de ses moitiés. L'essentiel de le faire très soigneusement. Oui, c'est cool, mamie. Et voilà ce que je fais, moi. Je vais écraser une pastèque avec un pigment diamant. Oh, c'est drôle. Attention, s'il te plaît. Oh, désolée, je me suis un peu emportée. Mais ne vous inquiétez pas, la pastèque est presque prête. Regardez comme la partie de pastèque a l'air délicieuse. Mais ce n'est pas tout, parce que servir à Betty une pastèque toute simple n'est pas le but. Ce serait tellement plus cool si je gagnais cette pastèque de quelques friandises. Ça ressemblerait alors beaucoup plus à un gâteau. Voilà. Bien sûr, des marshmallows et de la marmelade. Oh non, mais... Pour vous, c'est un gâteau. Le vrai gâteau doit avoir plusieurs couches. Pour cela... Vous devez faire attention à cet aspect, coller les tranches de pastèque avec une crème spéciale. La crème doit être uniforme et ça doit être fait avec une spatule spéciale. Ce serait bien d'ajouter un peu de couleur en plus. Mon gâteau serait vert sur le fond et rouge sur le dessus. C'est une belle combinaison de couleurs. Je pense que c'est génial. Ça a l'air pas mal. Et pour moi, c'est fait. La gelée est prête. Comment faire le gâteau? Personne l'a compris. Moi non, mais mon gâteau n'est pas le plus simple. Voilà la touche finale et voilà. Regardez, c'est super mignon en plus. Betty, on est prêt, vas-y, choisis. Oui! Emma, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste collé des bonbons dans une pastèque. En fait, ça nécessite des efforts, bien sûr, mais pas trop. Le goût est moyen. Alors... Et le chef Zach, qu'est-ce qu'il en a préparé pour moi? Ça a l'air super. Est-ce qu'il est bon? C'est vraiment génial, incroyable, super bon. Il ne reste plus qu'à goûter le gâteau de mamie. Je pense que c'est de la gelée. Tellement drôle. Oh oui, quel goût. Mamie, t'as gagné. Oui, ça me fait tellement plaisir, ma petite fille. Préparez-moi un gâteau cette fois-ci avec ma poupée. Avec une poupée, ça va être difficile. Oh, pour tout le monde sauf moi. Vous n'avez pas reconnu, c'est pas une poupée, c'est moi. Ah, bien sûr, ma petite fille. Et j'ai inventé comment le faire. Justement sur le gâteau. Pour cela, je vais utiliser tout un tas de fruits. Alors, le gâteau sera super sucré et doux comme ma petite fille. Regardez comme c'est mignon. Quelle drôle de tête. Maintenant, je vais faire la coiffure et maintenant, je peux le servir. Ouais, l'idée est cool, mais ça ne sert pas du tout à Betty. Quoique, les fruits et les baies, c'est bon. Mais bon, il est trop tard pour lui scatter, alors elle est temps de se mettre au travail. Alors, un visage. Et je vais faire les yeux. Ça, je peux le manger, c'est bon. Alors, continuons. Voilà. Des yeux non gelés. Et ces marmelades vont me servir pour la bouche. Je pense que c'est mignon. Alors, les cheveux en marmelade, c'est fait. Ouais, non, vraiment, c'est pas beau. Maintenant, je dois changer la forme du gâteau. Je vais le faire facilement et rapidement. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'une poupée. Laquelle je vais mettre sur le gâteau. Oh, regardez. Ouais, c'est comme une robe. Maintenant, je vais bien le décorer. La crème fouettée, ça va parfaitement.
Non, mais elle est en plastique, c'est pas comestible. Et alors? Par contre, c'est super beau. Et alors? Voilà. Il ne reste pas qu'à mettre le sirop super sucré, super bon. Ouais, je pense que c'est mon moment idéal. Préparez-vous, ça va être super beau. Je vais juste ajouter un peu de décoration. Comme ça. Alors? Je suis sûre que tout le monde va adorer cette robe. Betty, bon appétit. Oh, waouh! Super beau! Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais commencer par mamie. Oh, mamie! C'est génial! Alors, ensuite... Et moi? Non, mais... Pourquoi c'est vraiment laid? Non, ça ne ressemble pas à moi. J'espère que moi que c'est bon. Oh, c'est pas mal. Mais des fois, c'est plus bon. Oh! Waouh! Quelle poupée! Ça me ressemble vraiment. Même la coupe de cheveux est la même. Oui. C'est vraiment le gâteau le plus cool, je pense. Est-ce qu'il est bon? Oh mon Dieu! C'est vraiment le gâteau le plus bon de ma vie! Félicitations, Zach! C'est ta victoire! Ouais! C'était facile! Pour être sûr de ne pas manquer les mêmes challenges d'Alice à la maison, n'oublie pas de t'abonner à Multido! Les choses vont devenir encore plus intéressantes à partir de maintenant!